Depuis l'année passée, on travaille beaucoup en ayant la douleur avant de faire ce pace-là. Mm-hmm. Fait que c'est beaucoup plus... mettons. Ouais, c'est ça. Puis, mettons, on veut faire des 100 mètres, mais on va faire un 50 mètres crawl vite avant de faire le 50 mètres pace après. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça va être vraiment plus un peu ce travail-là qu'on va faire. Fait que créer de la pré-fatigue pour être capable de nager... Que ça soit plus révélateur, tu sais, que ça soit plus proche de la réalité. Ouais. Puis, c'est rare que je respecte, mettons, les pourcentages d'efforts, mettons, qui est demandé. Tu sais, souvent, je vais aller plus vite parce que je suis capable de le faire, je vais le toffer, je vais aller plus vite. Mm-hmm. Mais là, on travaille beaucoup sur respecter ce pourcentage d'efforts-là. Ouais. Fait que quand il faut aller lent, ben, il faut aller lent. Quand il faut aller à 75%, il faut aller à 75%. Puis on a beaucoup plus de repères comme ça. Moi, c'était dur pour moi de respecter ça. Fait que là, je suis plus dans le processus de... essayer de faire les choses de la bonne façon. Mm-hmm. Je dis pas que j'allais tout le temps. Mm-hmm. Non, c'est vrai. Mais je suis dans ce processus-là quand même.